Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous revoici sur le deuxième épisode de The Messenger. Et c'est parti, hein, c'est parti tout simplement. Hein. On continue. Alors, je sais même plus c'était quoi l'endroit où on se trouve, mais c'est pas si grave. Hein. Vous avez vu vous avez vu l'épisode 1, donc tout va bien, quoi. Putain, la musique! J'adore! La double boulette. Oh là là là! Quelle arnaque cette flotte! Ça se voit pas, mais en fait, quand je tombe dedans, vous voyez, je fais rien et je suis. Je suis attiré. Il y a un courant, quoi. Les soins, on n'hésite pas, les soins. Et si vous voyez un éventuel passage secret, n'hésitez pas. J'ai dû louper des trucs déjà. C'est quoi ça? D'accord. Ah mais c'est en plus c'est timé. Ok. On a combien là? 91. Ah mais vous voyez pas là. Bon c'est pas si grave. C'est derrière la cam en fait mon nombre de gemmes. Là j'en ai 91. Mais après quand je vais là, chez lui, améliorer. Oui là vous voyez. Vous voyez 91 sur 200. Tout va bien. Tout va bien, pas de panique. Mais j'ai pas assez là. Hein. J'ai pas assez, j'ai clairement pas assez. On y va. Elle est où là? J'étais pas censé aller à la montagne. Une montagne loin où il y a des sages. Pour leur donner mon message. Mais cette musique. Ça m'ambiance direct, moi. Voilà, en bas, il n'y a rien, on est d'accord, c'est un trou. C'est le trou de la mort, hein. Mais c'est possible qu'il y ait des passages secrets comme ça, dans des endroits où on dirait un trou, et finalement, c'est un passage, quoi. Il a pas vu venir, hein, mon shuriken. J'ai marché sur une larve. Ouais, je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Oh, le truc! Ok, pas mal, ça. J'aime bien. Arrête de te faire toucher. Mais c'est normal ça les ennemis, regardez. C'est marrant ça parce qu'il y a une barre noire en haut. Je pensais que ça délimitait l'écran, mais pas du tout. On voit les ennemis derrière. Est-ce que c'est un bug ou c'est fait exprès? Je pense que c'est totalement fait exprès. Hein. C'est bien foutu quoi. Ouais, mais parce que je peux aller au-dessus, je peux aller dans la barre noire, moi aussi. Le jeu, vraiment... C'est dégueulasse, ça, c'est dégueulasse. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est dégueulasse. Quoi ? Ah mais salaud! Mais putain, il va me tuer! Trois morts évités. C'est qui le meilleur? Évidemment, c'est Quasimodo. Trois morts, fumé, il compte en plus. C'est ça que je cherchais, des soins.
On va essayer de farmer un maximum aussi pour pouvoir lui le nourrir, ce petit fumier. C'est bon, j'ai remboursé ma dette. Je vois une note. Je suis vraiment un génie. Le salaud. Il est où? Vous foutez de moi? Il s'est barré? C'est le boss, c'est ça? C'est le boss de la zone? Et qui nous... Il va nous croiser de temps en temps, il va essayer de nous pourrir de temps en temps. Attendez, parce que je dois aller où là? C'est nouveau ça. Regardez, je suis dans mes points de vie. C'est quand même particulier. C'était une zone cachée quand même. Enfin, cachée vite fait, mais... Il y a un truc là. C'est terrible ça. Je sais pas. Il me faut un pouvoir, quoi, ou il faut ouvrir la porte de l'autre côté, quoi. La sauvegarde, le petit pote, on a 237. On a 237, on va bien en faire quelque chose. Lui, c'est 400. Bon, faudrait peut-être économiser pour lui, parce que... Mais bon. Plus 1 de santé. Améliore la défense. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il faut d'abord prendre ça. Ouais, on va prendre ça. On va y aller tout simplement crescendo. On va faire étape par étape. On va pas essayer de brûler les étapes. Méditation. Au point de passage, vous rechargez vos 5 premiers cristaux de santé et toutes vos charges de ki. Pas mal ça. Ils ont changé ma musique. C'est plus la même. Mais si, c'est la même, c'est juste que ça démarre comme ça. Le timing était pas bon là. J'ai pas. Ah ouais, mais si. Il fallait pas ressauter quoi. Il fallait juste passer en dessous quoi. Mais arrête de te faire toucher comme un grenade. On n'a pas vu de bloc cassable ici. Oui, il y a... Il
Il y avait un point de... Un point faible sur cet ennemi, j'avais pas fait gaffe, quoi. L'ascenseur? Ah mais l'ascenseur, mais on se fait bourrer par eux. Super, bonne ambiance, hein, bonne ambiance. Oh, je l'amène avec. Ah mais c'est pas le seul en plus. Mais ça respawn. Oh, c'est vrai, c'est un vrai bonheur. Hein. Ça descend, ça descend. Remonte, remonte le truc. Ok. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept de l'ascenseur. En fait, parce que c'est pas un ascenseur comme d'habitude, quoi. Ah mais l'angoisse. Ah mais non, mais c'est pas par là. C'est là qu'il faut monter. On peut aller, on peut quand même. Je pouvais skip, hein, on a vu. Mais on va essayer de pas trop skip les trucs. On a vu, il y a des choses planquées, il faut peut-être chercher quoi. Non, mais Perto il se plaint qu'il entend pas les réponses. Mais il est toujours en train de faire autre chose, il se barre. Donc il est déjà plus là quoi, il est déjà plus là. Ça. Ah ouais, c'est une sauvegarde tout simplement. J'ai mon OK Google qui s'est mis en route. Tu vas juste fermer ta grande gueule, hein. Moi je te le dis. Hein. À un moment, faut arrêter quoi. Je pensais pas que ça passerait, ça s'est passé, mais je sais pas par quel miracle. Mais c'est chaud les shurikens quand même. Hein. Parce que là, c'est la mort aussi en dessous, mais j'ai envie de tester, mais ce serait une connerie. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Au moins, on a testé. Mais en gros, j'ai tiré un shuriken pour tuer l'ennemi en face, mais ça a activé l'ascenseur en même temps. Parce que ça a fait un contact sur la petite roue qui me permet d'avancer l'ascenseur. Tu confonds ta gauche et ta droite. Mais ferme bien ta mouille! Ah, mais j'hallucine, quoi. Et voilà, exactement, Perto. Tu nous dis que t'as une chaîne YouTube, bah t'assumes, quoi. Maintenant, tu nous fais voir, quoi. Même si c'est de la merde, tu nous fais voir. Le soin qui est tombé dans le vide astral. Bon là j'avance, je me prends pas la tête avec les ennemis, en fait c'est ça qu'il faut faire. Le soin, parfait. Commence à être un peu léger. On nous montrait que t'as le courage de le faire, bah... Justement, on va jusqu'au bout de ton courage quoi. C'était pas mal ça parce que c'était un soin mais... Attendez, il y a un passage en dessous là. Comment je fais? Il y a une gemme! Comment je peux faire? Putain, ça monte, ça descend, on sait pas. Là.
En plus, j'ai 105 abonnés. Bah, ça vient. Ça, tu l'as commencé quand, ta chaîne? Attendez, je suis curieux. Moi, je voudrais savoir comment je vais là, quoi. Il y a probablement un moyen. Oula. Dangereux. Il y a 4 mois. Non, parce que je redescends, mais c'est une erreur ce que je fais. Parce que là, on... je sais pas comment aller dans ce petit passage, mais on a vu qu'il y avait un... Il y a un médaillon. Bah, ça va, hein. C'est la frustration m'envahit. Je viens de réussir à passer comme ça, mais je peux pas aller plus haut. Je suis obligé d'aller chercher l'ascenseur. Peut-être je croyais que j'étais un génie, mais pas du tout, quoi. Ça, c'est bien ces petites boules de soins là qui pop sur les ennemis. C'est quand même sacrément pratique. Utilise une bombe. Merci. Merci, Perto. Tu veux que je m'énerve, c'est ça? Tu veux que je m'énerve? Là, il y a un passage en dessous. Je sauvegarde et je saute. Mais en plus, on voit. On voyait. Là on le voit que c'est un passage parce qu'il y a des petites échelles. Et c'est surtout que comme on voyait une cascade, ça m'a... Le perroquet, il parle pas, là. J'ai pas assez de thunes pour améliorer quoi que ce soit. 247. Hein. Quand c'est du vide, il y a un petit dégradé de noir. Noir-bleu. J'ai cru voir ça tout à l'heure, mais j'étais pas sûr. Ah ouais, là, il y a rien, en revanche. T'as raison. Là, il y a rien du tout. C'est la continuité. On le voit. Comme là. Il y avait un passage sur la droite. Hein. Il y avait totalement un passage sur la droite, mais qui n'est pas accessible. Je peux pas, c'est trop loin, quoi. Ouais, quoi que. Non, c'est trop loin. En fait, il faudrait que je puisse faire un double saut. Mais je peux pas. Putain, mais c'est ça! Je l'avais pas testé encore. Pas mal! On va y aller de façon prudente. Ça va, il n'y avait pas de piège. Mais le boss. C'était un bug ou... Il y aurait dû avoir un boss là, non? Il y avait un passage au-dessus qu'on n'a pas pu... Putain, mais il va falloir revenir, quoi. Faut refaire les niveaux après, quoi. La bande-son est bien. Hein. Bah, j'aime bien, moi. C'est du chip, c'est du chiptune, ça. Donne-moi le pouvoir pour remonter, là. Je suis tombé de la falaise. J'en ai bien peur. Je ne peux pas sauter aussi loin. Voilà qui me rappelle une histoire. Il y a bien longtemps, les guerriers du clan des écureuils inventèrent une manière de s'envoler vers le ciel. Comme cela leur conférait une forme de liberté dont les humains pouvaient seulement rêver, certains les prirent pour des dieux. Incroyable. Oui, bon. Voici une cape ailée. Ah, la chute de merde. Là, tu racontes tout ça. Tu as fait, tiens, voilà la capelée. Casse-moi les couilles.
A besoin de quelque chose, oui. Attaque en piqué. Attaque de la cape ailée. Ah, d'accord. Fallait la cape ailée pour pouvoir avoir ce truc. Appuyez sur X lorsque vous planez avec la cape ailée pour attaquer en piqué. Et sinon, j'ai les shurikens, c'est ça? Les shurikens qui transpercent. Et j'ai une charge de caille en plus. Bah go, on prend ça. La charge piquée, on verra quoi. Si ça se trouve, il y aura un New Game Plus. Non, non, je... Il me semble qu'à un moment, on accède à une carte et on peut revisiter les niveaux. Il me semble, ah, peut-être que je dis une connerie, mais j'avais j'ai un souvenir comme ça. Comme j'avais dit au début... Mais j'ai ma cape, je suis con. J'ai déjà vu le jeu, en fait. J'avais vu un petit let's play, mais j'avais pas vu tout le jeu. Hein. Et c'est pour ça que je connais le... Il y a un moment, comme j'expliquais à la fin de la vidéo numéro 1 pour YouTube... C'est qu'il y a un petit plot twist dans le jeu. Qui est, quand je dis un petit, c'est énorme hein, comme truc. Et du coup, j'ai vu un peu le jeu. Mais ça remonte à loin. Donc franchement, j'ai aucun souvenir des boss, aucun souvenir de... Voilà, j'ai que quelques souvenirs vite fait. Mais le gameplay, je me souviens plus quoi. Et après, manette en main et regarder un live, c'est pas pareil. Même si, bon, j'ai déjà expliqué, hein, vous êtes les mêmes. Hein. C'est-à-dire... Mais j'avais pas vu les picots dessus. Mais je peux passer là, du coup? C'est-à-dire, on fait tout ça à peu près. Hein. On regarde rarement un live à 100%. Là, c'est un passage, là. On fait quelque chose à côté ou quoi, bah voilà, c'est souvent mon cas, du coup. Ah, l'ambiance ! L'ambiance est bien ! Comment je fais pour passer sans me faire toucher, là ? Expliquez-moi. Parce qu'il va falloir que je plane, on est d'accord. Mais en plus de ça, il va falloir que je me lâche, me replane, je lâche. C'est parti. Bah ouais, mais comment voulez-vous ? Moi, je me suis fait... 2 points ! Ça m'a enlevé 2 points de vie ! Je refais le tour. J'ai pas envie de repasser par là, quoi. Flappy Bird, c'est moi-même. Okay. Ça s'est bien passé, hein. Mieux que j'aurais cru, en fait. Maintenant, mon shuriken traverse un truc. C'est pratique! Putain, j'avais pas vu l'arnaque. Quelle belle arnaque! J'ai grid parce que je voulais récupérer les gemmes qu'il y avait dans la lanterne au lieu de laisser mon petit pote planer. Je me suis dit je vais replaner, mais quand j'ai rappuyé, ça l'a pas fait. Ben, j'ai pas bien rappuyé. Et je dois passer à la boutique. Je te prends une petite amélioration pour réduire les... non mais ça va, ça va. Ce Quasimodo là, toujours en train de me troller. Ouais putain, parce que... En fait, quand je saute, j'ai fait l'erreur là justement. Quand je saute et je laisse enfoncer, mais quand je laisse enfoncer, ça fait rien. Il faut que je rappuie sur le bouton et que là, je laisse enfoncer. Ben, il me semble. Hein. Ça me démange. Putain, mais encore une fois, je me suis fait baiser par ces trucs. Hein. Je les ai pas vus une deuxième fois. Non, ça tombe. On l'avait dit, on l'avait dit. J'ai plus qu'un point de vie. Personne ne panique hein, ici. Surtout qu'il y a des ennemis là sur le passage. Mais ça se fait bien, ça se fait bien. Un petit soin, s'il vous plaît. Petit soin.
Ça serait bienvenu. C'est la coque, hein, probablement. Probablement. C'est le manque de coque. Oh, mais Bouleman, là. Ouais, prends ça dans ton nez. Donc là, on est d'accord que c'est la continuité du niveau en dessous. Ouais. C'est un passage secret. C'est pas le vide. Le soin. Il est là, il est beau. Bah, je prends souvent de la coque. Coca-Cola, c'est ça que je veux dire. Il y a de la coque, non, là-dedans. C'est marqué dessus. J'invente pas. Hein. Là, pareil, il y a un passage qu'on ne peut. Le salopard. On va débloquer un pouvoir, quelque chose plus tard, hein, c'est sûr. Mais je me souviens plus, hein. Vraiment là, je suis en mode, je me souviens plus comment ça marche, quoi. Ça fait l'ambiance ici. Ils mettent des soins quand même réguliers, hein. Sur, le jeu est plutôt cool. Donc là, là c'est le vide en revanche. J'y vais ou pas? Ce qu'on a vu juste avant, il y avait une petite échelle, on voyait un petit bout d'échelle, là on n'en voit pas. Ils ont pensé à toi étant donné ton niveau. Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous me le bannez lui? Vous me le bannez tout de suite? Mais qui t'a mis modérateur, cancer? Qui t'a mis modérateur? Chopez-le, hein, celui qui a fait ça. Elle est l'idiot qui m'a mis modio. Bah ouais, mais c'est ça. Qui est le con. Attendez que je le chope. Et ça, il y a que Perto qui va avoir la ref. Mais ça me fait penser à chaque fois qu'on joue à Among Us. Et qu'il y a un vote anonyme sur quelqu'un. Tout le monde dit, bon allez, on skip. Là, on sait pas qui est l'imposteur. On skip. Et moi, je mets un petit vote sur quelqu'un, comme ça, au pif. Et cette personne-là, elle fait « Ah, mais qui est-ce qui m'a mis un vote, là ?» Et moi, je fais « Putain, attends que je chope celui qui a fait ça. » Et à chaque fois, c'est moi. Hein. Vous pouvez être sûr que si je dis ça, c'est que c'est moi qui l'ai fait. Hein. Et à chaque fois, ils sont « Ah, t'es gentil. Hein. Merci, Linkus. T'es gentil. » Les ignorants. Les ignorants. Quoi ? Mais ça passait ! C'était large. Pourquoi il y a un petit bout d'eau là? C'est pas anodin. Visiblement si, mais... Mais je l'ai plus. C'est Pico là! C'était stalactique. Il fait ce coup là pour les filles surtout. C'est vrai que je fais ce coup là pour les filles surtout. C'est vrai que t'as pas tort. Pas de ma faute, hein. Après, elles sont pas toutes célibataires, mais bon. Je suis pas jaloux, moi. Là, il y avait un passage, hein, clairement. Putain, mais je vais où, là? Je vais où? Et je peux pas rebondir là-dessus. Je peux pas m'agripper, là, à droite. Quelle arnaque! C'est les hormones, bah ouais, bah c'est ça, je suis en pleine ovulation là. À droite ou... Ah bah j'allais dire à droite ou en dessous, mais plutôt à droite. En dessous, ça a l'air d'être le vide. J'ai 267
Les cristaux. On peut faire le piqué. Attaque piqué. Allez, vas-y, go. J'aurais dû économiser pour les vies. Hein. Pour qu'ils me bouffent moins de trucs quand je perds une vie. Mais... Ouais, mais c'est bien mieux que j'aurais cru. Je pensais que c'était vraiment... Paf, il part en attaque piquée. Mais non, je peux spammer un coup d'attaque quand je suis en plein air en train de me planer. C'est surtout le printemps, ouais. Hey, mais maintenant, voilà, plus d'embrouille. Ouais, poste là. Ce serait pas mal de réussir à défoncer ce sorcier. Ok, très bien. Regardez, c'est magnifique. Je l'ai vu. Ah, mais il faut savoir que moi, je suis toujours excité. Hein. Quelqu'un comme ça, moi. Peu importe la saison. Hein. Pour ça... Perto, à chaque fois, il fait « Y'a des filles ce soir, quand on joue à Among Us ?» Quand il n'y en a pas, il flippe, hein, parce que bah moi, je j'y vais, quoi. Hein. Peu importe. Hein. Peu importe, j'y vais. Hein. Alors... Ah, j'allais dire, là, en dessous, dans le trou au milieu, c'est un passage ou c'est le vide? C'est ni l'un ni l'autre parce que c'est un pylône, en fait, et je peux pas passer. Ouais, ouais, c'est le printemps tous les jours, hein, moi. Après, j'avoue que... J'ai déconné. J'avoue que j'ai déconné. Mais non, c'est pas ce que j'allais dire. Mais j'avoue que... Quand il commence à faire beau, là, printemps, été... Ah, je vais me balader sur l'île, là. On est bien. Hein. Avec les collègues, à l'époque, on allait manger au midi, là, dans un petit bar tabac. Quelconque. Et on se mettait sur la terrasse, lunettes de soleil, avec une petite binouze à la main, là. Une bière bien fraîche, et on avait mal au cou. Et une sorte de torticolis qui s'installait le midi. On sait pas pourquoi. Hein. Mais en même temps, dès qu'il fait chaud, ça y est, c'est mini-jupe et décolleté. Après, elles font ça pour qu'on les regarde, hein. Donc bah, nous, on regarde. Hein. Moi, je touchais pas. Hein. Je ne faisais que regarder. Hein. Avec un œil interrogatif. Hein. C'était plus justement de la curiosité, quoi. Pas du tout malsaine, quoi. Si je me demandais qu'est-ce que c'était, ce truc-là. Qu'est-ce que c'est, cette jeune fille charmante? Qu'est-ce qu'elle porte en dessous, quoi? C'était surtout ça, l'interrogation, mais... Ça y est, on repart. Non, mais le jeu. Fais gaffe, ta porte est ouverte. Non, mais ça va. Mais non, mais tu sais que ma femme, c'est pareil, hein. Mais bon, bande de fumier. Parce qu'elle m'a avoué, hein, des trucs comme ça. En mode, à son boulot, à l'époque. Elle était secrétaire dans un truc médical. Et genre, il y a des ouvriers qui sont venus faire des travaux. Et bon, elle m'en a parlé. Elle me dit, ah, il y a des ouvriers, machin. Et je sais pas, 6 mois, 1 an après, elle dit, ah, on était à l'école chercher mes enfants. À 2, ce qui est rare. Et là, elle me dit, ah, putain, c'est un des ouvriers, machin. Ah, mais elle dit, celui-là, c'était pour ma copine Ophélie. Et là, je la regarde, je dis, comment ça? Et là, bah, elle s'est grillée toute seule, quoi. Et là, elle l'a avoué. Bah, elle dit, ouais, elle dit, j'avoue... Elle disait étaient plusieurs et du coup on s'en était choisi un chacune en se disant ah, moi je me le ferais bien quoi donc ça va hein. Faut pas me la faire hein, et... Attendez, il y avait plein de trucs là, comment on fait pour accéder à ça? Ah mais j'avais pas pensé que ça serait un truc planqué au-dessus. Ta femme va te choper, mais non. Non. Elle est peut-être partie faire les courses, là. Il fallait qu'elle aille faire les courses, là. Donc, j'espère. Pratique, ce petit coup, quand même. Hein. On a bien fait de le prendre. Hein.
Jusque là on avance bien quand même. Et c'est quand même bizarre que mon compteur de pour la vidéo YouTube soit bloqué. Étrange quoi. T'aimes bien faire des maquettes perto. Ah non mais moi j'ai pas la patience moi pour ça. L'armoire, toujours pas. Alors fais voir un peu, j'ai 330 gemmes. On pourrait prendre le plastron de Kuzari. Ça améliore la protection, donc santé plus 1. Non mais on va attendre pour avoir 400 pour lui là. Ah là c'est un boss. Je m'attendais pas à un boss de cette taille. Oh! Je peux pas bouger pour l'instant. Ok, il fait voir un peu ce qu'il est, de quoi il est capable. Je lis ton message perto en même temps que de combattre le boss, c'est une erreur. Je lirai ça après. Ah mais le fumier, dès qu'on le touche... Ah mais je suis allé. Il ramène ses patounes devant. Il faut que je plane. Je vais là. Il faut que je me barre. Voilà, je l'ai vu. Ah mais quoi? Mais je me fais toucher par la tête. Mais putain, je suis en train de me faire bourrer gratuit. Mais c'est pas possible de voir ça, il est con. J'ai voulu éviter la petite boule et j'aurais peut-être dû me concentrer sur l'énorme patte. Tu tombes à pic, c'est justement mon tour de payer une tournée générale. Ouais, tu fous bien de ma gueule, quoi. Alors. Non, mais une maquette de Dolorean, ça doit... Même si tu la trouves, visiblement, t'arrives pas à la trouver. Mais ça doit coûter une fortune, non? Après ça dépend la taille, tu me diras, c'est comme tout quoi. Tu veux pas en acheter une vraie plutôt? De DeLorean? Une qui voyage dans le temps quoi. Ce serait peut-être pas mal. Ouais, pas deux fois, pas deux fois. Parce que là, je suis mort connement parce que j'ai perdu 4 points de vie là-haut. Ah, le salaud, il m'a feinté. Je pensais qu'il allait monter la patte, mais il a feinté. Genre 20 euros? 1/25e? Effectivement, c'est pas cher, quoi. Après, il faut avoir la patience de le faire, quoi. Mais ouais, il feinte, ce fumier. Ça, c'est bien, ça. J'aime beaucoup les boss qui clignotent. Ah, putain, on n'a plus le choix, maintenant. Ça permet de se dire, ouais, il est bientôt mort. Hop, hop, hop. C'est une paquette sans peinture ni colle. Ah, mais si. Si, merde. Si c'est un peu... si t'en as déjà fait chez toi... Des maquettes, t'as déjà tout le matos, non? Putain, mais... Et ouais, mais j'ai pas de dash, moi! Comment je fais pour esquiver ça? Mais je suis du mauvais côté, là. Après, il y a un modèle pliable en métal. Merde. J'essayais de grimper au mur, mais... Pas du tout ce qu'il faut faire. Et le boss est pas fini, ou comment ça marche? Il est pas fini le boss, nom de Dieu! C'est quoi ça? Les shurikens. Non! Hop, hop, hop! Ah, fumier! Fumier de lapin!
Putain, j'ai vu les trucs en l'air. Déjà sauvé la vie cette fois. J'ai vu les trucs en l'air, là, l'air, justement, l'air qui souffle. Donc je me suis dit, putain, on peut encore planer partout. C'est que le boss est pas fini. J'avais raison, mais j'ai pas été bon, quoi. Après, il y a un modèle pliable en métal. Et les faiblardes. Ah, mais je redémarre avec... Ah ouais, j'allais dire, je redémarre avec 3 points de vie, ça va pas. Mais il y a du soin directement là. Putain, les développeurs, ils sont bons. Putain, il faut refaire, quoi. Il faut refaire. Ah, mais là, celle-là, c'est la bonne. Maintenant, je lis en lui comme dans un livre ouvert. En revanche, il dit ça et direct il se fait toucher, le connard. Mais deux fois j'y retourne. Ils sont où mes soins? Faut vraiment que j'arrête de déconner, hein, parce que j'ai que 6 points de vie et il n'y a pas plus. Hein. J'ai un peu bourré là. Ah ouais, mais je me concentre sur un truc et pas sur autre. Pas sur autre chose, du coup je me fais baiser. Mais il n'y a pas plané ce fumier! Il n'y a pas plané! J'ai appuyé pourtant, j'ai appuyé, je vous jure, j'ai appuyé. Mais encore une fois, c'est parce que je fais la mauvaise manip, je suis un connard, putain! Mais faites quelque chose, venez chez moi me mettre une claque, nom de Dieu! Allez, je voudrais pas que tu me trouves trop négatif, vas-y, messager, tu peux le faire. Et pour une fois qu'il me troll pas, lui. Non, mais là, c'est la bonne. Là, c'était laissé, là, c'était pour faire semblant. On voyait bien le boss, parce qu'après, on le verra plus, lui. Hein. Ne fais pas attendre, vas-y, go, le fight, là. Ça se voit que je perds patience ou pas? Non mais là, je l'ai téléchargé le boss. Ça s'est vu tout de suite. Non mais j'ai un peu grid là, j'avoue. On n'avait pas vu ça encore. Je m'étais pas retrouvé dans cette situation encore. Mais... C'est bon, il est mort là. Il est mort. Donc, et là, on me donne des shurikens à gogo. Donc, je pense qu'il faut pas hésiter, mais sauf que t'as des shurikens si t'as pas l'attaque, justement. Mais moi, j'ai débloqué l'attaque, donc c'est bon. J'ai pas besoin de mes shurikens. Juste à planer, à le bourrer, quoi. Plane. Fais pas le con. On va utiliser un peu de shuriken, quand même. Hé ! J'ai pas eu peur qui dit ça. Easy le boss, first try. Non mais qu'est-ce qui vous a pris de détruire mon golem? C'est vous qui avez commencé, c'est vrai quoi. Qu'est-ce que vous racontez? Ça fait des siècles que je creuse tranquillement dans ces cavernes. Vous débarquez chez nous, puis vous nous agressez sans sommation. Ah, peut-être que j'ai pas compris ton intention, peut-être. Mais c'est faux. Non, c'est vrai. Mais non, c'est faux. Mais non, c'est vrai. On tourne en haut.
Écoutez, on va pas faire tout en... on va pas en faire toute une histoire. Je comprends que vous avez pu nous percevoir comme une menace. Et moi, je me suis laissé guider par mon instinct de survie, quoi, mon instinct de ninja. C'est compréhensible. Je vous en veux pas. Écoutez, je suis désolé d'avoir détruit votre golem. Oublions ça. Non, sincèrement, je suis désolé. Ah, je ne vous en veux pas. Je vois bien que vous êtes de bonne foi. Merci, et pourriez-vous m'indiquer comment sortir d'ici, s'il vous plaît? Rien de plus simple, utilisez le courant ascendant que je vais créer. Bonne chance pour votre quête. Mais comment il sait que j'ai une quête? Je lui mets un petit coup, quand même. Il fait la gueule, hein, quand même. A plus tard. Et sans rancune, hein. Sans rancune aucune. Allez, je me laisse porter. Pourquoi il fait la gueule? Il pleure. Je l'ai mis mal, quoi, vraiment, quoi. Marais des champs piquants. C'est des champignons piquants. Donc des champs piquants, tout simplement. Ok, bon, merci YouTube, hein, on va s'arrêter là. C'était un boss, ça fait une petite heure, même pas. Donc voilà, c'est parfait. N'hésitez pas, les petits commentaires, les pouces bleus, les chèques directement dans ma boîte aux lettres. J'adore, hein, j'adore l'argent, donc n'hésitez pas. Merci encore, gros bisous, à bientôt. Salut.